Messieurs. Bonjour. Alors voilà, je reviens m'installer en France avec ma femme et mon fils. Et je voudrais savoir ce que vous pouvez faire pour protéger ma famille en cas de décès. Vous faites bien des assurances vie. Oui, tout à fait. Ce que je peux vous proposer, c'est que dans l'éventualité de votre décès ou de celui de vos proches par mort violente, nous vous garantissons l'élimination de toute la population du pays dont le dirigeant est responsable de votre décès. Pardon ? Si vous êtes victime d'une tuerie de masse, nous assurons quasi instantanément la mort de votre meurtrier et celle de toute la population de son pays. Vous vous foutez de ma gueule ? Ah non, pas du tout, j'oserais pas. Je suis où, là ? L'agence des criminels de guerre ? Voyons, je vous rassure tout de suite, notre offre est parfaitement légale. Le gouvernement français est notre premier garant. Mais vous avez des clients pour ça ? Oui, monsieur. Des millions, rien que ça. Tous français. Mais attendez, ils payent pour ça ? Évidemment ! Pour la modique somme de 4 milliards d'euros par an, nous couvrons l'ensemble du territoire français. 4 milliards ? J'hallucine. Par an ? Mais à la fin, je vois pas ce qui vous choque. Nous proposons notre assurance depuis plus de 50 ans, et entre nous, je peux vous dire, ils y réfléchissent à deux fois, vos ennemis, avant de s'en prendre à vous, avec notre assurance. Pardonnez-moi, et sans vous manquer de respect, c'est complètement bidon votre truc, ça me protège en rien. Je vois pas ce qu'il y a de rassurant, à savoir qu'après que toute ma famille y passe, vous allez carboniser des millions d'innocents en mon nom. Je vous explique les conditions si vous voulez. On fait un petit devis, et vous y réfléchissez. Laissez tomber, ça m'intéresse pas votre truc. Vous êtes complètement malade. Dangereux même. Vous êtes français ? Oui, alors ? Mais vous êtes déjà mon client. Vous payez vos impôts. C'est des malades. Il y a aussi notre offre premium, la destruction de la planète. Par réaction en chaîne ! La bombe, l'assurance de votre destruction, j'écoute. Bonjour, monsieur le président de la République. Vous souhaitez faire jouer votre assurance ? Oui, bien sûr, tout de suite. Comment ? Non, non, vous pouvez décider tout seul. 96 missiles nucléaires, c'est ça, c'est notre petit stock. Oh non, ça devrait vous satisfaire, hein. C'est l'équivalent de 1000 Hiroshima. C'est tout bon de mon côté, on y va ? Voilà, c'est envoyé. En vous remerciant.